la vie. Eh les gars, j'en parle à mes coiffeuses et tout. Tac tac, la vie. Les gars, je vais faire une teinture. Là, dans 2-3 mois, je fais une teinture. Une teinture pour l'été. En fait, ça me casse les couilles. Parce que la teinture que je veux faire depuis, là... La teinture que je veux faire depuis, ça fait plusieurs mois, j'y pense. Et je vais me tatouer aussi. C'est plusieurs mois, j'y pense. Et maintenant, tout le monde... Je vois sur TikTok, ça devient une traîne, frère. Tout le monde commence à vouloir faire la teinture et tout. Donc, ça va me dire, je suis un NPC, je fais la même teinture que tout le monde. La vie, j'ai trop le démon. Une teinture ginger, marron et tout. Et le tatouage que je vais faire, c'est... En gros, ce que je vais faire, les gars... C'est que je vais prendre les empreintes de Zelda et je vais me tatouer une de ses empreintes, une de ses pattes. Vous voyez une patte de Zelda? Je vais prendre une patte de Zelda et je vais me faire un tatouage de ça. Parce que Zelda, c'est l'animal que j'aime le plus au monde. Je sais pas où je vais me tatouer. Franchement, je sais pas. En vrai, je vais pas le faire en très gros parce que juste ça soit un petit tatouage, genre peut-être là. Genre un truc comme ça. Énorme la patte. Les bannissez-les, les modos. Bannissez les modos. Attends, tu vas te faire un tatouage? Ouais, je sais pas. J'ai envie. En fait, j'ai envie. Ginger, Lox. Boum. Homme. Genre un bail comme ça, attends. Genre un bail comme ça. Un peu plus foncé. Plus comme as. Plus comme as. Comme as. Voilà, comme ça. Comme ça. Un bail de comme ça. Comme ça. Et ça fait plusieurs mois, j'y pense. Et là, ça commence à me casser les couilles. Et je vais faire ça sur tout mon crâne, les gars. Je vais faire ça sur tout mon crâne. Celui d'avant, better. Je sais pas, les gars. De toute façon, ce qui est bien... Fais couleur bissap. Couleur violet, fais pas de tatouage. Pourquoi je ferais pas de tatouage? Les gars, un petit tatouage. Franchement, moi, j'ai toujours dit, non, j'ai toujours dit, les gars, si je fais un tatouage, déjà, je fais ce que je veux, je suis grand, je suis majeur. Je m'en bats les couilles, je suis majeur. Je m'en bats les couilles, je suis majeur. Ah, mais moi, je suis pas musulman. Je m'en bats les couilles. Zelda, les gars, c'est l'une des personnes que j'aime le plus sur cette terre. Et elle commence à vieillir, les gars. Et une fois que Zelda sera partie, c'est très triste, j'aimerais pouvoir avoir une marque d'elle, comme quoi, à vie, tu vois. Parce que Zelda, en gros... Genre, moi, les tatouages, je trouve ça bien quand c'est... Quand ça a une signification, tu vois. Genre, moi, je me tatouerais pas juste un truc de merde sur mon corps. Genre, un truc de merde juste pour me tatouer un truc de merde. Genre, tu vois. Là, j'ai vu sur TikTok quelqu'un qui a fait un tatouage... qui a pris l'empreinte de son chat qu'il aimait et qui est bientôt décédé, donc j'ai failli pleurer, et qui s'est tatoué la patte sur son corps. Pourquoi tu prends pas un tableau? Et moi, je trouve que c'est bien, du coup. Je pensais Zelda. Ah non, mais en gros, mon chat s'appelle Zelda. Mon chat s'appelle Zelda. Ma princesse s'appelle Zelda. Zelda va mourir. Bah là, elle est en bonne santé, les gars, mais elle a bientôt 16 ans. Hein. Dans un mois, elle a 16 ans. Parce qu'on est nés tous les deux en avril. Du coup, ce que je vais faire, je vais prendre les empreintes de Zelda, ma princesse, mon chat, ma bien-aimée. J'avais pas compris. Ah, vous croyez que je voulais me tatouer Zelda sur le corps, genre? Moi, je vous ai débaisé. Et genre, je vais me tatouer une de ses pattes. Genre, je vais faire le moulage d'une de ses pattes et me tatouer une de ses pattes sur un de mes bras, genre. Sur un de mes bras. Je sais pas où. Il est où le blême qu'elle ait 16 ans? Bah, c'est... Tu sais, 16 ans en achat, ça fait combien? 16 ans, âge... 16 ans, ça fait 80 ans, frère. Elle a 80 piges, Zelda. La vie. La vie, elle a 80 piges. Il n'y aura pas la place. Bannissez-le, s'il vous plaît, les modos. Fais un stream lors du tatouage. Un stream tatouage. Zelda, c'est une vieille mère. Profite bien d'elle. Les gars, je vais me tatouer sa patte dans le cou. Qu'est-ce que vous en pensez, là? Juste là, là. Là, ici, là. Je vais me tatouer elle, là. Non, en vrai, je pense que je vais faire un petit tatouage, genre, je vais la poser, genre, là, tu vois. Je vais la mettre ici, genre, un truc pas voyant. Genre, juste... En fait, j'ai envie de le poser dans l'endroit où, genre, en mode, on s'est acheté les tatouages. Je m'en bats les couilles de ton avis, en fait. Genre, je vais le poser à un endroit, là, tranquille. Genre, petit, mais moi qui va bien. Tu vas souffrir. Non, ça va. Non, ça va. Sur les fesses, comme là, la Rhodes. What? What? Sur ton cœur? Non. Jamais de la vie. Il a raison, ça chie les tatouages. Ferme ta gueule. T'as rien demandé. Ta peau, elle sera toute fripée quand tu... Mais ça, c'est quand c'est les gros tatouages, espèce de petite sombre conne 90 Lina. Ça, c'est quand t'es petit. C'est quand t'es vieux, frère. Et les tatouages, ça se refait. Tu peux repasser dessus. Quand c'est des gros tatouages, oui, des gros tatouages sur le dos et tout, c'est dégueulasse quand tu vieillis. Mais si c'est un petit truc qui fait cette taille-là, ça va, en grandissant, ça va rien changer.
Bref, moi j'aime tatouer, allez vous faire enculer tous, si vous êtes pas content, je vous baise. Voilà, c'est bon. Comme ça, c'est bon? C'est clair? Et en plus, de toute façon, moi j'aurais pas le temps de vieillir. Moi, si je suis vieux, je me tire une balle dans le crâne. Voilà. Moi, les gars, moi je vis pas au-dessus de 40 ans, à quoi ça sert? Boum, 40 ans, brrr! Non, je rigole. Non, the clown. Tatouage haram. Je suis pas musulman. Est-ce que tu peux me laisser tranquille ou pas? Chez toi, c'est haram. Moi, chez moi, c'est pas haram. Fuck the clouds. Si t'es musulman, je suis pas musulman. Je ne suis pas musulman, les gars. Je mange du porc, je mange du cochon. Si. Je suis pas musulman. Je suis pas musulman. Pas musulman et circoncis. Alors, déjà, même si vous n'êtes pas musulman, il y a tout le monde qui se circoncis parce que c'est une question de propreté. Hein, être circoncis, c'est une question de propreté. Si t'es, pas, si t'es né musulman, ouais, mais je suis pas musulman. Alors, je suis né musulman, mais je suis pas musulman. Bref, on s'en bat les couilles. T'avais une gel là-bas. T'es allé au Maroc, t'es une musulman. Se laver existe. Ouais, mais je sais pas, c'est. Je sais pas. Je t'ai vu faire le f'tour. Ah, moi, s'il y en a, ils veulent me passer des briques, moi je prends. Hein. Je t'ai vu à la mosquée. Melchior est musulman, oui, non. Bon, c'est qui a fait le sondage que je lui enlève là, de ses premières missions? Toxique! Toxique, tu modères jamais! Et tu modères juste pour dire. Tu fais des sondages de merde comme ça là? T'avais un maillot du Maroc. Et d'ailleurs, mon maillot du Maroc là, il faut que je le lave, il pue sa mère, vraiment, il pue. C'était quoi le plat que t'as kiffé au Maroc? Bah tout en vrai. Hein. Après la nourriture sénégalaise, enfin j'ai pas envie de créer de fitna, tu vois. Mais je préfère la nourriture sénégalaise à la nourriture marocaine, enfin du Maghreb. Mais couscous, tagine, tout ça j'ai bien aimé. Hein. En fait je vous explique pourquoi. C'est pas une question de ouais c'est meilleur, c'est pas meilleur. C'est une question de goût, tu vois. Tout est une question de goût. Moi mes goûts préfèrent la nourriture sénégalaise. Pourquoi? Parce que dans la nourriture, dans les tagines, dans les couscous et tout, il y a trop de légumes, frère. Il y a trop de légumes. Il y a trop de légumes et moi, je suis un bébé. Et quand il y a trop de légumes, j'aime pas. Voilà, c'est tout. Alors, dans le yassa, dans le mafé, tu vois, il y a des légumes, toujours. C'est important qu'il y en ait des légumes. Mais c'est plus accentué sur le côté viande. Tu vois ce que je veux dire? Monde sans métissage 9 de i. Mais pourquoi tu t'appelles comme ça toi? Tu sais que je suis un métis. Donc tu veux que je disparaisse de cette terre? Non, vraiment, hein, toxique, les modos, à chaque fois que vous le voyez, vous le bannissez à vue, lui. Vraiment, un jour, j'étais tranquille, je lui ai dit, tu me casses les couilles, je te banne, il a recréé 20 comptes d'affilée. Maintenant, c'est bon, plus jamais je le veux voir dans ma chaîne, frère. Frère, j'ai l'impression, j'ai peur, là. J'ai peur de lui, carrément. Vous vous rendez compte, vous bannissez un mec, il crée 20 comptes d'affilée. Genre, ça fait peur, quoi. Ça fait peur. Nawa, merci pour le 4e mois. Tu contrefères des confessions à quel moment, je sais pas. Oh, ce soir, les gars, j'avais envie de faire un truc, j'ai envie de voir vos collections de sneakers, là. Donc, tout à l'heure, venez Discord, vous allez me montrer vos collections de sneakers, ceux qui en ont. Ou même, si vous voulez montrer vos paires, je prends aussi. D'abord, Legel, tu vas jouer au code, Melchior, le jeu que t'as acheté. De quoi, le code de la route? Ah non, mais je l'ai acheté pour vraiment passer le code premier degré, hein. Il faut que je passe le code, les gars. La vie... Je crois que j'ai pris un prospectus d'auto-école, là. J'en ai pris un, je crois que je vais passer le code, les gars. Enfin, je vais passer le permis, pardon. Je vais passer le permis en automatique, je pense. Comme ça, après, il faudra juste que je fasse 5 heures de plus, et boum, j'aurai le permis tout court. Il me faut le permis cette année, c'est important. Même si je suis un Parisien et que j'ai pas besoin de la voiture, c'est important. Il a installé le code de la route. Ah ouais, là, il coûtait 1€, je l'ai acheté, frère. Passe en manuel, pas en auto. Je vais faire comme mon grand frère, il a fait. Tu passes en automatique ton permis. Ensuite, juste, tu fais genre 3 heures.
je crois que tu restes assis pendant 3 heures, tu pars et ensuite ils te donnent le permis manuel direct. Ouais, ouais, vraiment, c'est un cheat code, hein. Passer automatique, ensuite manuel. C'est un cheat code. Il va passer le code avec des 2009. Bah oui. Logique. Logique. Je m'en bats les couilles, Wizoka. Nique ta mère. T'entends ou pas? Disparais de cette chaîne. Va regarder Squeezie. Bonjour, le chat. J'espère que vous allez bien. Prends ta sanction et peut-être tu reviendras un jour. Mais là, pour l'instant, tu prends ta sanction et tu fermes ta gueule. Ça se voit, t'aimes tes viewers. J'adore. Bonjour. Bonjour, bonjour Mina, bonjour le Z, bonjour Itio, bonjour Kedigan. Ça joue à Sekiro ce soir, oui. Bonjour Kasek, bonjour Malik, bonjour Otto, bonjour Pablo Noir, bonjour Toxic, Vermir, Anna Squid, Sarnania. Yo Roubignol. Yo. Yo yo. Salut. All of my little homies like to smoke dope. All of my daughters they like to smoke dope. We should kick up and go smoke on the porch. Then right out there, we gon' jump out the porch. Cause Screech was calling on me. Melkor, t'as pas snap. Les gars, je crois que je vais faire un snap, hein. La vie, je crois que je vais faire un snap. En fait, si je fais un snap, faut que je sois en Yes Life. Ça veut dire il faut que j'ai des trucs à vous partager. Genre aujourd'hui j'ai fait ça, aujourd'hui j'ai fait ça. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Sinon, y a pas de L à la fin, enculé. Tu dis enculé à qui, Robinho? Tu dis enculé avec qui, frère? Ban avec lui, tu peux pas regarder le live Twitch avec l'IP. Non, j'ai pas envie de bannir, j'ai pas envie d'à cause d'un mec. Juste le mec, voilà, il disparaît. Hein. Je suis en date et en resto et je regarde ton live. T'es fier de moi? Envoie une photo sur Insta en selfie avec la meuf. Maintenant. Toco. Sur Twitter, parce que tu pourras pas... Envoie un selfie. Envoie un selfie et tu me l'envoies sur Twitter. Envoie-le en selfie. Envoie. Envoie un selfie tout de suite. Melchior sur Snap, bonne année 2015. C'est trop démodé, Snap. C'est trop démodé. Les gars, vous savez pourquoi... Ok, je vais dire un truc. Vous savez, Snap, ça peut rapporter beaucoup d'argent. Est-ce que vous êtes au courant ou pas? Que genre, les mecs, ils ont même pas besoin de faire de placement de produits. Ils font v'là les sous, frère. Oui, vous saviez? Vous saviez, en gros, ceux qui ont le truc star à côté de leur pseudo... Et ben genre en mode, juste en postant des snaps, ils font des sous. Genre les gens ils regardent et ils font des sous. Et ils font v'là les sous avec. C'est une dinguerie ça, je savais pas du tout. Prends la relève de Poupette. Je crois que je vais faire je vais être la relève de Poupette Kenza hein, les gars. Genre Kinda. Ouais, Nehru il m'a dit combien Kinda il faisait avec Snap. J'étais choqué, je dis wesh autant. Sans les placements de produits et tout. Je vais pas vous dire évidemment. Non mais en vrai... Ça me motiverait à sortir de chez moi et faire tous les trucs que j'avais envie de faire là, actuellement. Fais un mime. Vous voulez que je fasse un mime, les gars? Vous abonnez à mon mime? Est-ce que vous abonnez à mon mime si j'en fais un? Ou vous allez regarder les leaks? Hein? Leak. Only leak. Ça. Quand t'as pas d'ennemis version basket. Wesh le panier il est bas j'ai l'impression. Ah non bon, c'est juste qu'il est bon. Je t'énerve pas, je viens te trash talk. Pourquoi est-ce que je m'énerverais? On vient de se rencontrer aujourd'hui. J'ai pas d'ennemis. Pourquoi est-ce que tu nous fais le torpin ici là? Tu comprends pas, cette vie de haine et de rage. Tout ça c'est derrière moi maintenant. Faut que je reprenne le basket les gars. Faut que je reprenne le basket. Excuse-y consanguin. Franchement, vous êtes vraiment des tantines WhatsApp. Hein. Vous êtes vraiment des tantines WhatsApp. Hein, de croire des trucs comme ça. L'e-sport Rocket League trop sous-côté. Ah, moi, je comprends. Enfin, en vrai, Rocket League, c'est facile à comprendre. Mais quand tu regardes ça a l'air tellement... Attends, il y a les Worlds actuellement, là, le Rocket League.
Mais pourquoi tu mets un clip de décembre 2023? Que ça s'en bat les couilles, frère. Je croyais que c'était actuel. Genre il enlève parce qu'il y a deux hommes qui s'embrassent. Il est... Ça pour moi c'est un comportement d'homosexuel hein, de faire ça. Tu fais ça pour moi, ça cache quelque chose. Ça cache quelque chose. Wesh mon gars, passe ton chemin. Passe ton chemin. C'est une dinguerie de faire ça. Wesh. It's like a reward. Fait 1 mètre combien? 6'10! 6'10, je crois, c'est 2m10, les gars. 6'10. 2m08. Elle est plus grande que moi, wesh. Et de loin. It's like a reward. En vrai, moi, je croise ça dans la rue, j'ai peur un peu. Hein. Toi, tu fais combien? Moi, je fais 2m01, moi. Dis-nous un truc plus gay que d'être homosexuel du genre pisser assis. Moi je pisse pas assis, à part quand je fais caca moi. Mais sinon je pisse debout hein. MDR le geek de la vidéo de Strika. Tu l'as Taro, Alexis Idan. T'as cru j'ai fait un aller-retour Valenciennes Paname pour regarder son pétard. T'as pas capté qui je suis en fait. Bon allez je vais te DM tout de suite toi. Viens ici. Au nom de Dieu il lui a rien fait. Je jure sur Dieu maintenant. Attends, je vais le DM. On peut pas le DM? Je suis mort. Je suis mort. Tête de naïf. Attendez, comment je le DM? On peut le DM ou pas? Oh, ma mère, elle a atterri, là. Attendez, 2 secondes. Je lui envoie un message. Les gars, je lui envoie quoi comme message? Gallo, merci pour le 12e mois. Rep à la story. Melpops, ma habiba, je t'aime fort. Le mec tout fait bien les choses. What? Mais il est malade ce mec. Alors attendez. Je vais lui envoyer un message de chat. Attends. Je t'ai vu. Je lui dis quoi les gars? Attends, je lis. I'm in love with a stripper. Ah si, je peux lui envoyer un message. Ok, attendez. Je vais faire un let's view. Je t'ai vu sur la vidéo de Strika. Tirage en live. T'es chaud de passer en live. Ok, je lui ai envoyé un message. Je lui ai envoyé un message. Les gars! Je lui ai envoyé un message, je lui ai envoyé un message. Ok. Dis-lui, t'es beau, t'es gay. T'as dit quoi? Je lui ai juste dit que j'ai vu... Bah, que je l'ai vu, quoi. I'm in love with a stripper. J'ai envie de lui parler, en fait. Tu t'ambiances après avoir imposé ta playlist à tout le monde. C'est vraiment moi, ça. Melchior casse les couilles avec son rap underground US à tout le monde, vraiment. Mais grâce à moi, j'ai fait découvrir plein d'artistes à plein de gens. À plein de gens. Kumo, bon, Lucky, il est plus underground, mais avant, il l'était. Lucky, j'ai fait découvrir à Kumo, carrément, il m'a envoyé un message, il m'a dit, j'ai vu la lumière avec Lucky. Il y a plein de gens, je vous ai fait découvrir, voilà les trucs, je sais, mais je sais. Je sais, me dites pas, je sais. Donc j'enchaîne les meufs, les raclis, les raclis.
Lui, sa vie est foutue. Mais les gars, vous avez pas compris qu'il troll en fait ce mec là ou pas? Coaches, vous avez pas compris qu'il troll ou pas? Salut. Genre, il y a des gens, ils le prennent premier degré alors que juste il a repris une vidéo d'un mec et il se fout de sa gueule. Mais les gens, ils prennent premier degré en mode. Non, les gars, hey, on boycotte. On boycotte le Kung Fu Panda 4. Askip, il pue la merde. Il sort combien? Il sort le 27 mars. Les gars, Askip, il est éteint. On m'a dit, j'ai vu, parce qu'il est déjà sorti aux US, tu vois. Envoyez pas TikTok. Et Askip, il pue la merde. Moi, je vais pas le regarder, hein, je vous le dis. Hein. Pour moi, il y en a que 3. Hein. Comment tu sais? Parce qu'il est déjà sorti aux États-Unis. Il est déjà sorti aux States. Juste qu'il y a un délai entre. Il y a un délai entre. Voilà quoi. Des conseils pour avoir plus confiance en soi? Bah, de se sentir bien dans sa peau, mon pote. Hein. C'est le meilleur moyen d'avoir confiance en soi. Hein. Et de se dire que de toute façon, tu vas mourir. Si par exemple demain là, je rigole pas, hein, demain, tu te mets tout nu dans ton quartier, bah dis-toi, à part s'il y a des gens qui filment, les gens. Imagine, tu te mets tout nu à 6h du matin, personne va te voir. Le fais pas, tu vois, moi je te conseille pas de le faire. Et par exemple, si. Moi j'ai déjà fait, hein, dommage il l'avait pas mis dans le vlog de Chris, parce qu'à un moment j'en ai parlé. Il dit, genre il y a Chris, on parlait et tout. Et je lui disais qu'avant j'avais peur qu'on me filme avec une caméra et tout, parce que je me disais, les gens ils vont me regarder, ils vont me dire, ouais, qu'est-ce qu'il fait, sa vidéo YouTube et tout. Ensuite j'ai dit que maintenant j'en ai plus rien à foutre. Et je lui ai dit, regarde. Et j'ai hurlé au milieu de la rue. Les gens ils m'ont regardé 2 secondes et après ils ont continué leur vie, tu vois. C'est ce que je veux dire. Donc. Voilà quoi. Le rat glu. T'as vu ce qui se passe avec Kendrick? Bah, il y a un bif quoi. Il est. Les gens t'oublient 5 secondes après. Vraiment. Même pas 5 secondes, hein. 2 secondes après, hein. Franchement, au maximum, t'es une anecdote pour le soir. Genre, ouais, regarde, j'ai vu un mec qui criait dans la rue, je dis, il est bizarre et tout. Fin! C'est tout. Je m'en branle, vraiment. S'en branle. T'es trop BG avec tes waves. Merci, mais c'est pas des waves. Non, vraiment. T'as mangé quoi aujourd'hui? Je n'ai rien mangé, les gars. Je n'ai rien mangé. J'ai rien mangé. Voilà. Le lit. Rien. Absolument rien. Même pas un biscuit, rien. Rien. J'ai juste bu de l'eau. La vie, j'ai fait le ramadan. J'ai fait le ramadan sans m'en rendre compte, les gars. Tu vois, t'es musulman. J'ai juste bu là, mais genre. Franchement, j'ai dû boire vers. C'était quand la coupure, les gars? Aïe! Tu sais, là, c'est aïe ramadan, mais le clip en inversé, tu vois. Aïe! 19h14. Franchement, j'ai dû manger, j'ai dû boire vers cette heure-là, à peu près, là, à peu près. J'ai peut-être dû boire un peu avant. J'ai fait que boire de l'eau.